vous avez vraiment l'air de... Tu sais, une amitié qu'on a 10-12 ans. Là. Comment vos chums gèrent ça? Ben, ton chum, excuse-moi. Comment gère ça? Je m'en vais pas là. C'est la 34e édition de la soirée artiste. J'ai mis ma robe aux couleurs de Hollywood PQ pour interviewer vos artistes préférés. C'est rare que je parle des tenues, là, mais c'est hot. C'est le lancement de mon livre demain. J'ai comme deux gros événements en deux jours, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a rien de trop beau. Une belle dose d'amour, ça. Vraiment. Hey, venir sur un tapis rouge comme ça avec son garçon, comment tu dis ça? Ben, c'est un beau moment de père-fils. Est-ce que tu vas rester jusqu'à la fin? Je vais rester jusqu'à mon père-fils. Sinon, il va être mal pris, il va retourner à la maison. Qu'est-ce que tu trouves de si spécial à être sur un tapis rouge comme ça? Bien, le regard des gens, moi, je suis pas habituée que les gens me reconnaissent. Si ça peut juste permettre à tout le monde de croire en ses rêves, moi, j'ai gagné beaucoup plus que la voix. On t'enseigne, ça passe au même moment. Non, moi, j'ai fait le tapis rouge enceinte de 8 mois et demi avec des talons hauts. Puis je suis revenue à 1h30 du matin, puis je me suis dit, qu'est-ce que je faisais là? Bonne fête des mères! Ben, toi aussi! Merci! Nous, on vient ensemble, hein? Filmez pas séparés. Partez pas de rumeurs. Peux-tu dire que moi, je tombe en amour avec toi, avec Jean-Loup, le hot-dog Duval? Ah, oui. Comment tu vis ça, cette grosse dose d'amour-là? Et avec ce qui est arrivé, la fin de District 31, combien de personnes m'ont dit « j'ai le goût de te faire un câlin », tu sais? Mais j'explique que moi, ça va bien. Lui, je sais pas comment ce qu'il va, mais moi, ça va super bien, tu sais. Hey, c'est la fête des mères? Oui. Comment ta vie s'est améliorée depuis que t'es maman? Ah, mon Dieu, il y a comme... les choses se mettent en place, je trouve. Il y a comme une clarté qui s'installe. Est-ce que ça t'arrive de dire « oh mon Dieu, je suis comme ma mère »? Tout le temps, parce que tu dis « ah, c'est pour ça! » Les fois que j'ai gagné, ouais, t'es comme sur un buzz, puis habituellement, je vais toujours manger un McDo. Tu manges un McDo? Un Mac poulet. J'ai gêné de le dire. Ben oui, j'aurais dû dire un VG burger, là. Quand vous regardez ces médias sociaux, là, vous avez tout en l'air d'être au restaurant ensemble. On est tout le temps au resto. Faudrait qu'on soit au gym. Faudrait qu'on aille courir dans un parc. J'espère que tu fais pas ça pour vrai, là. Ok. Grim, toi, t'es ma jambe droite. Je vous savais pas, là, c'est que j'ai passé la soirée à faire mes entrevues avec un gros nœud comme ça au bout de mon micro. C'est ça, la folie des tapis rouges du gala artiste.